sont nés. Depuis longtemps, ils ont rêvé de la ville, mais de ses secrets, du fort et du ciel. Les vieux, ce n'était pas un rival, quand ils s'essuyaient machinal, un revers de mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdant, et manger la corne de chèvre. Allez, ensemble. Mais cette année sera bonne et demain sera bon. Moi je vous le dis. Non mais tu t'es touché, regardez. Oui. D'ailleurs pour ceux qui ne le savaient pas, Jean Ferrat est venu en train de nous révéler quelque chose que tout le monde connaissait un petit peu. Il est effectivement venu à Bagnos. Il était ami avec un de mes amis Pétanqueur. C'était un très grand joueur de pétanque et j'ai eu aussi le privilège de discuter avec lui, de jouer contre lui. Il était venu donc passer quelques jours et pour la petite histoire, il avait logé à l'hôtel Le Catalan, seul hôtel qui était un petit peu d'une classe pour pouvoir l'accueillir. Et il est venu. Il a joué à la pétanque, il s'est promené au centre-ville avec notre ami commun Maurice, qui l'a amené dans mon établissement quand j'avais le restaurant. Et j'avais une employée à l'époque qui s'appelle Mimi, que tout le monde connaît, et qui n'a jamais marché ses mots ni ses écrits. Et elle a attrapé Jean Ferrat et lui a dit « C'est un scandale ! Tout ce qu'on a pu faire avec vous, se coucher devant les trains pour empêcher les jeunes de repartir faire la guerre en Algérie, tout le militantisme qu'on a pu, on vous connaissait en tant que militant, on vous a aidé, et je ne comprends pas que vous ayez été dans cet hôtel. » Mimi, quand même, je suis un petit peu, et à lui envoyer un courrier que j'ai toujours, parce que je ne lui ai pas donné, elle avait écrit 4 pages à Jean Ferrat. Voilà.